m'appelle Emilio. 13 ans que je suis amoureux de la même fille. Et je suis dans cette école depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18. Cela fait donc 13 ans que j'attends d'être un type comme les autres pour pouvoir faire ma déclaration. Même si, mes amis et moi, nous ne serons probablement jamais des types comme les autres. José Manuel Sanchez Exposito, plus connu sous le nom de Souli. Le fait d'être non-voyant ne l'a jamais empêché de croire qu'il était un enfant comme les autres. Il n'a toujours eu qu'un seul but dans cette vie, s'intégrer. Roulotte n'est pas non plus tout à fait ce qu'on appelle un type comme les autres. Il a deux objectifs dans la vie, la défense personnelle et le sexe. Mais Crapaud, c'est pas tout à fait un type comme les autres lui non plus. Regarde-toi, il n'y a plus de place pour un gramme de cam dans cette tête-là. Cornetto, c'est notre leader intellectuel. Et ça aurait été un grand leader, c'est sûr, s'il avait eu un intellect. L'année prochaine, votre camarade fera médecine dans la prestigieuse université d'Oxford. Il y avait un sacré niveau au lycée, non? Oui, un niveau très haut. T'as qu'à passer dans ma chambre d'étudiante ce soir? Je vais pas pouvoir, j'aurais dû lui proposer qu'on aille au musée. Bah non! Depuis quand pénètres-tu les cadavres? T'es déjà dit de pas donner de décharge à ton père, il fait de l'hypertension! Réagis! Baisse les yeux, cogneur, je t'en colle une! C'est ça que tu veux, hein? Prends! Tu l'entendras pas, paradis! Une chatte ou un trou de balle, l'important c'est de mouiller le biscuit. Tu vas la boucler, oui. J'ai toujours pensé que tu étais le plus chouette de la classe. Hannibal Lecter, un enfant de cœur en comparaison. Hein ?